Un problème. Qu'est-ce qu'ils veulent? Dans le film Testament, la quiétude d'une maison de retraite est troublée par l'arrivée de manifestants qui protestent contre une fresque historique représentant la rencontre entre des colons et des Autochtones. L'époque dans laquelle on vit, elle est opaque, troublée, horriblement complexe. Et je pense pas qu'il y a personne qui puisse comprendre exactement ce qui se passe. Tous nos ministres sont des incultes. Rectitude politique, anticolonialisme, questions identitaires et de genre, tempête médiatique, le film aborde avec humour des enjeux bien actuels. Moi aussi, c'est des changements auxquels je dois m'habituer, avec lesquels je dois vivre. Et puis des fois, j'ai des réflexions un peu intempestives. Puis là, ma blonde me remet à ma place en disant, ben là, ce que tu viens de dire, c'est réactionnaire. C'est réactionnaire. Et c'est ce que le film nous montre avec, évidemment, tout l'humour que Denis a. Ce semi-retraité qui a perdu foi en l'humanité retrouvera le goût à la vie en rompant la solitude et en trouvant l'amour auprès d'une fonctionnaire en perte de repère. Dans cette société si discordante où tout le monde semble avoir sa propre opinion, il n'en reste pas moins que quelque chose d'universel qui s'en dégage, c'est que cette solitude-là a besoin d'être remplie, elle a besoin d'être arrosée par quelque chose d'autre que juste la revendication. Et je pense que en bout de ligne, le constat, c'est ça, c'est que on a tous besoin les uns des autres. Des fois, en général, que les fans du cinéaste se rassurent, Testament n'est probablement pas le dernier film de Denis Arcand, qui est toujours aussi attaché au cinéma. La solution pour moi, c'est d'essayer de se trouver cet espace de bonheur. Et c'est ça qui pourrait nous assurer au moins de garder un sourire jusqu'à la fin. Et donc, j'ai trouvé pour mon personnage cet espace de bonheur qui change sa vie. Parce que quand le film commence, il est prêt à mourir, il le dit lui-même, il n'espère plus rien de la vie. Et à la toute fin, il dit qu'il veut vivre le plus vieux possible. C'est aussi la solution personnelle que j'ai trouvée. De temps en temps, il faut poser des gestes gratuits. Testament prendra l'affiche le 5 octobre. Ici Nabil Alexandre Chartier, Radio-Canada, Montréal. Nos autrices.